se retrouve tout de suite pour la suite de l'aventure sur Left 4 Dead 2. Ouais, des balles, des balles. Putain, par contre, j'ai que des armes de merde. Soigner quand même, hein. Quitte à faire, hein. Patata Francis. Oh si, je t'ai mis une patate. Il a traqué le pompe contre... Couvert.
5000. Oh là 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 là. Le machin en plein milieu du truc. Les rails sont bloqués. Faut trouver un autre chemin. Taper un putain de vieux tank, hein. Oh là là. C'est horrible de les avoir dans le passage étroit. Je recharge. Je recharge. Des munitions. Toujours prendre des munitions. Des arbres. J'ai rien pour la tirer, y'a pas un petit molotov, quelque chose de bien, non, y'a rien du tout. Ah, si je fais ça. J'ai toujours voulu me faire une witch à la guette. Et là, c'est l'occasion. Et en plus, je vais la cramer. Y'a pas de quoi. Ah bah je l'ai cramé. Ha ha ha, lol. Excellent. Tiens.
Merci, je t'en voudrais ça. Tirez pas sur la voiture. Je recharge. Refuge dans la boutique. Je recharge. Non, t'es tué. Non, de Dieu. Je recharge. Nom de Dieu, les gars, restez ici. Allez. Génial. Franchement. Sors d'attirer des zombies et bloquer derrière la porte. Imaginez le truc après, ça peut être cool. Après eux ils courent hein, donc un peu compliqué à éviter ces saloperies hein. Mais bon, ras le tank Zoé. Pile. Et ben moi c'est ici que je m'arrête et je vous dis à plus pour la suite de l'aventure sur Red Fornit 2. Allez, bye tout le monde.